Benjamin Tourcel, bonjour. Bonjour. Et merci de venir ici aux Épicuriens. Bah de rien, c'est un plaisir comme d'hab. Hein. Voilà, depuis combien d'années? Je crois que c'est 6e ou 7e fois. Alors, auberge Le Prieuré, ouais. À Moirax. Ouais. C'est où Moirax? Moirax, c'est quasiment pile poil entre Bordeaux et Toulouse. 1h15 de Bordeaux, 1h de Toulouse. Lot-et-Garonne. Ce restaurant, vous l'avez repris en quelle année? On l'a pas repris, on a recréé le fonds de commerce en 2004. Avec Agathe? Bah Agathe, elle est là depuis le début. Hein. On a fait l'école hôtelière ensemble et puis on a toujours travaillé ensemble. La particularité du Prieuré, c'est quoi? Bah, c'est justement une petite maison de village. On a essayé d'en faire un restaurant de campagne avec une âme où on y a mis notre empreinte. Quoi. Maintenant, ça fait 15 ans et on voulait vraiment ça au départ, quoi, que ça soit un peu chez nous. Alors vous avez un voisin que vous connaissez bien qui s'appelle Michel Trama. Trama, oui. J'ai bossé quasiment un an et demi chez lui. Belle expérience, dure expérience, grosse exigence, mais bon, c'est grâce à l'expérience comme ça qu'on grandit. Ouais. Parce qu'il m'a quand même ouvert les yeux sur si tu veux faire ce métier, si tu veux le faire haut niveau, il faut bosser et puis faut être très rigoureux. Quoi. Alors en 2006, on va dire Go & Mio déjà. Ouais, dans ces eaux-là, hein, il y a un an près. Go & Mio, grand de demain. Ouais, et là, on monte à la capitale avec des gens comme Alexandre Gauthier. À cette époque-là, c'était marrant. L'étoile, 2008. 2008, l'étoile, ouais. Voilà. Et là, c'est un grand moment. C'est aussi un moment de doute parce qu'on l'a cherché sans la chercher. Puis quand elle tombe, on se dit maintenant, on fait quoi? Parce que c'est vrai qu'on a le Lot-et-Garonne derrière, on a l'environnement économique qui n'est pas non plus hyper propice à tout ça. Donc on s'y attache parce que c'est quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Dans la carrière d'un cuisinier, c'est énorme. Ce soir, aux Épicuriales. Ouais. C'est quoi le menu? On va commencer par l'entrée. L'entrée, que des légumes de saison, ornithogale, c'est des asperges, des petites asperges sauvages. Okay. Petit pois fèves dans un bouillon de cosse acidulée, bouillon de cosse de petit pois infusé à la menthe avec de la ricotta. Ensuite, le plat carré de veau fermier. Ouais. Avec pâte d'amande, cerise, chiseau. Voilà. Et en dessert, on a un crémeux céleri chocolat blanc, pomme verte et livèche. Voilà. Ça va être sympa. Ça a été expérimenté, ça tient la route. En deux mots, les Épicuriales, quel adjectif? Convivialité, partage. Voilà, moi je suis ravi de revenir ici chaque année. Je dirais pas que je me sens comme chez moi, mais je suis vraiment très content, c'est pas loin. Et puis je trouve que c'est une belle manif. Je connais un peu tout le monde maintenant ici, donc j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Merci. Je t'en prie. Et bonne soirée. À bientôt.